Thank you.
7 ans plus tard, nous retrouvons Maria Callas au crépuscule de sa carrière lyrique. Accompagnée par Georges Prêtre à la tête de l'Orchestre National de l'ORTF, elle sublimait en ce 2 mai 1965 des pages de la Somnambule de Bellini et de Giannis Chicchi de Puccini. Mais quelques jours plus tard, lors de la reprise à l'Opéra de Paris de la production de la Norma mise en scène par Franco Zeffirelli, la diva renonçait à chanter à l'issue de la 5e représentation. Le 5 juillet suivant, elle remontera une dernière fois sur une scène d'opéra dans Tosca à Covent Garden avant d'entrer dans une retraite des théâtres lyriques qui devait s'avérer définitive.